Hola les gens, je suis Emma de la Sagram Friendly Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast entièrement dédié à la couture comme toujours, numéro 19. Je suis vraiment contente de vous retrouver en cette fin de mois d'avril pour vous présenter les cousettes que j'ai pu réaliser, voilà, pendant un mois. Je ne sais pas du tout combien on est à la fin du mois, mais je pense que c'est comme tout le monde, on est un petit peu à côté de la plaque en termes de temporalité. Oui, bon, j'ai un petit peu de vocabulaire, vous savez, c'est pas grand-chose. J'espère que vous allez bien, vous qui me regardez. Moi, je vais très bien. J'ai eu quelques jours de repos avant de réattaquer le travail, bien sûr, on adore. Qu'est-ce que je porte comme toujours avant de commencer? Ici, là, présentement devant vous, vous avez un suite Hello que je vous ai présenté dans mon dernier podcast. Oui, j'ai ressorti les suites parce que, en toute honnêteté, là, on est reparti sur un temps gris, pourri, et il fait quand même beaucoup plus froid que ce que j'ai de ce qu'on a eu. Alors, on a eu un temps merveilleux pendant plus d'un mois en Lorraine, chose qui est extrêmement rare. Et là, on revient plus sur des températures, des temps plus classiques, on va dire. Donc, j'ai ressorti le suite. Voilà les petites boucles d'oreilles. Ce sont des merveilleuse création. C'est une petite créatrice. Vous savez que maintenant, c'est un peu mon nouveau délire, on va dire ça comme ça. J'essaye de soutenir au maximum les petites entreprises françaises, les petites créatrices françaises. En tout cas, pour les bijoux. C'est une créatrice de bijoux en pierre naturelle. Pour être très honnête avec vous, je les ai pas achetées pour le bien-être, le bienfait que ces pierres sont censées m'apporter. J'ai juste trouvé jolie. Voilà, en toute simplicité. Et mon rouge à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un crayon à lèvres d'une marque Cosma, je crois que ça s'appelle. En plus, la couleur est pas fidèle. Ça ressort plus rouge à la caméra, mais en vrai, c'est un peu plus rosé. Bref, trêve de blablatage. J'ai cette cousette à vous présenter aujourd'hui devant vous. Comme d'habitude, il y a un peu de tout. On est vraiment sur des cousettes, là, du printemps. Du printemps, encore et toujours, de toute façon, c'est ma saison préférée au monde, c'est le printemps. Donc, au printemps, je couds toujours beaucoup, je couds même, je pense, trop, parce que je n'ai plus de place dans mes placards. Les deux premières cousettes que je vais vous montrer, ce sont des jupes Christie de la Maison Victor. À savoir que c'est un patron gratuit. Si vous vous inscrivez sur le site de la Maison Victor, leur tout nouveau site, bien sûr, dans les tutos couture, je crois, ils appellent ça comme ça, vous avez des patrons qui sont gratuits de manière constante. Il y a le t-shirt Odette et la jupe Christie. Et Virginie de l'Atelier de Vie en parlait tellement souvent, elle en a fait plusieurs versions aussi. J'avais des Punta di Roma de chez Dries & Stuffen de mon avant-dernière commande. Je savais pas vraiment quoi faire dedans. J'avais commandé un mètre, je crois, de chaque, je ne sais plus. Bref. Et donc, j'ai décidé de faire des jupes Christie. J'ai fait des tailles 38 sans marge de couture parce que c'est un tissu qui est vachement stretch. Et c'est vrai que la Maison Victor a tendance à tailler un petit peu grand, on va pas se mentir. J'ai montré mes deux versions sur mon compte Instagram, toujours pareil, Friendly Couture. Donc, la première, voilà, dans un Punta di Roma baroque. Donc, vous avez une ceinture à la taille. Un devant, un dos. Et vous voyez, elle se resserre un petit peu quand on arrive au niveau des jambes. C'est vraiment une jupe crayon. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et il n'y a rien à poser. Donc, ni élastique, ni zip. Puisque la Punta di Roma ou le jersey, voilà ce que vous voulez. C'est tellement stretch que vous l'enfilez. En fait, elle s'enfile toute seule. J'ai entièrement assemblé à la surjeteuse. C'est un projet minute, ça va hyper vite à coudre. Et la deuxième, alors je sais pas si vous aurez la bonne couleur. Pas trop ça encore, comme d'habitude, c'est compliqué. Pour la caméra, les couleurs, comment dire, un petit peu l'entre-deux. En plus, là, j'ai la luminosité qui change en même temps, c'est extraordinaire. Donc voilà, la deuxième, toujours pareil, une petite ceinture. Et en plus, du coup, normalement, il y a un devant et un dos. Et quand je la porte, vu que je ne sais plus qui est devant, qui est dos, mais à mon avis, les deux pièces devant et dos, c'est les mêmes. Il doit pas avoir une grande différence. Donc, en taille 38, sans les marges de couture. Et pour l'ourlet du bas, en fait, j'ai fait juste un ourlet rabattu. J'ai surjeté et j'ai piqué. J'ai même pas utilisé mon aiguille double. Alors, si je peux revenir deux secondes sur les tissus Dries & Stuffen, autant le premier baroque, il bouge pas trop. Autant je sens que celui-là, il va avoir tendance un petit peu, je pense,
sur le long terme à boulocher. Donc, méfiance. Mais voilà, ils m'ont coûté 4 euros le mètre. Donc là, c'est pour vous dire, la jupe Christie, le patron était gratuit, les tissus ne sont pas chers, j'en ai eu pour 4 euros la jupe. Le prix est imbattable, on est bien d'accord. On passe déjà à la deuxième cousette. J'ai voulu retenter le short manège de M comme Marie, mais que j'ai depuis des années. C'est écrit de la taille XS au XL. Temps de réalisation environ 3 heures. Et en termes de fourniture, il faut moins d'un mètre pour faire ces deux versions. Donc soit le short short, soit le short taille normale avec les poches, soit le short taille haute sans les poches. Moi j'ai fait la version la plus simple parce que j'avais pas beaucoup de tissu, donc la version taille haute sans les poches, et c'est celle que j'avais déjà décalquée. Bon, j'ai regardé le guide détail. Je suis une nouille parce que franchement, de vous à moi, si je me réfère là maintenant au guide détail, j'aurais dû faire une L, voire une 2L. Quand je regarde au niveau du tour de taille. Mais j'avais pas envie. Non mais c'est ridicule. J'aurais pu franchement redécalquer puisque il y a quand même pas 1000 pièces. Mais je me suis dit ouais non, je vais la faire en M et puis les marges de couture ne sont pas incluses. Bon alors je sais pas si maintenant elle inclut les marges de couture dans ses patrons, mais voilà, celui-là en tout cas, les anciens patrons de M comme Marie, les marges de couture ne sont pas incluses. Bon, je sais pas. C'est vrai qu'on est habitué quand même quand c'est des patrons indépendants. Je trouve ça quand même mieux quand il y a les marges de couture incluses. Bon, là, c'est à vous de les rajouter. Bon, c'est pas dramatique. Le tissu. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est ma réalisation. C'est un petit short, hein. Vous voyez bien, c'est un mini short, on va pas se mentir. Toujours des couleurs chatoyantes. Vous avez à peu près les bonnes couleurs. Donc vous avez une ceinture, un devant, un dos. Il y a des pinces au niveau du devant et du dos. J'ai pas de poche. Et en fait, c'était un peu la galère par rapport au zip. J'avais pas envie de mettre un zip invisible. J'ai mis un zip classique qui est caché par une espèce de petite patte là. Vous voyez, il est dedans. J'ai posé mon zip 3 fois parce que le premier que j'ai mis, il a lâché. Le deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus, mais il est mort aussi. Et donc là, c'est mon troisième zip. Être sûr que le zip s'en aille pas, parce que je suis plus que juste au niveau de la taille. J'ai mis une petite agrafe. Short en soi, il n'est pas difficile et compliqué à monter. Après, moi, franchement, c'est mon seul patron M comme Marie, hein, toute honnêteté que j'ai. Mais alors, franchement, moi, je sais pas. Le livret d'explication, je vais être très honnête avec vous, je suis pas fan du livret d'explication. Je suis pas fan de la planche à patron non plus. J'ai du mal à être entièrement convaincue par les patrons M comme Marie. Alors après, c'est un patron que j'ai depuis longtemps. Je ne sais pas comment sont les derniers patrons M comme Marie. C'est un modèle qui est quand même assez accessible et qui se coud rapidement. Est-ce que c'est un short que je vais porter? J'en sais rien. Ça m'embête un peu parce que j'aime beaucoup le tissu. Donc je pense que je le porterai à la maison, vous savez, l'été quand il va faire vraiment chaud là, pour aller sur ma terrasse et tout ça. Je pense que je le porterai, même si je pense qu'il est un peu juste pour moi. Il est vraiment, je trouve qu'il me boudine, vous voyez, je suis vraiment serrée dedans. Après, je le mettrai pas pour aller au boulot ni rien. Je trouve qu'il est trop moulant et qu'il est trop serré au niveau des cuisses. Donc voilà pour le short manège. Ma troisième création, si vous avez regardé mon dernier haul Driessenstofen, je vous ai parlé des jerseys by Lisanne ou Lisanne, je ne sais pas. Et c'est des jerseys qui sont magnifiques et d'excellente qualité. J'ai craqué pour deux jerseys. J'en ai cousu un. Si vous me suivez toujours pareil sur Instagram, vous avez déjà vu cette petite chose. J'ai voulu me faire un petit top. Manche trois quarts, col bateau, vraiment pour la mi-saison en fait. Ça en été, ce sera trop chaud, mais pour le printemps, ce sera nickel. Donc, ce patron-là vient de ce magazine qui commence à être un peu en bout de course.
Donc c'est un Burdaisy de 2017. Et j'avais fait une robe. Pareil, je vous l'ai remis dans mon feed Instagram. J'avais fait cette robe-là en jersey de viscose, découpons Saint-Pierre, avec des citrons sur un fond noir. C'est pareil, je vous l'avais montré dans un podcast. Et ce modèle-là est déclinable, donc soit en robe, mais aussi en top. Je n'avais que 1 mètre de ce tissu, donc le jersey by Lisanne, là. Et j'aimais bien la version top, mais sans ces espèces de froufrous, là, voyez-vous? Ça m'inspirait pas du tout, les froufrous. Mais le modèle, en soi, j'aimais bien. Et vu que j'aime aussi beaucoup ma robe, voilà, je savais que ça allait aller vite, puisque les pièces, je les avais déjà décalquées. Je savais comment tombait le patron sur moi, bien sûr. Donc, j'ai fait la version B et sans le ruché de manche, donc sans les froufrous aux manches. Le jersey Balisane de Driesenstoffen coûte 9,80, m'a coûté 9,95 € du mètre. Effectivement, pour du Driesenstoffen, c'est plutôt élevé. Mais comparé à d'autres revendeurs de jersey de coton, c'est les prix. J'ai fait la taille 40, puisque, je vous le répète, à mon sens, les burdas easy ne taillent pas comme les burdas style. Ils taillent juste. C'est la bonne taille. Sauf que, comme je vous ai précisé, ma première réalisation était en jersey de viscose, et donc elle me va. Enfin, je veux dire, j'ai pas de soucis. Là, c'est du jersey de coton, et le tissu est vraiment plus épais, et c'est moins stretch. Je couds toute ma petite histoire, super contente de moi, tout se passe très bien. Donc, vous voyez, il y a l'espèce de le petit détail que j'aimais bien. Donc, c'est de l'encolure bateau, et vous avez le dos en fait qui revient, l'encolure dos qui revient sur l'encolure devant. Moi, pour pas m'embêter, j'ai cousu directement ma parementure comme ça. Je trouve que ça donne un petit style, enfin, à mon sens, hein, ça choque pas trop. Voilà, pour bien la maintenir en place, pour pas être embêtée. J'avais pas envie qu'elle bouge ni rien. Donc, tout était réalisé à la surjeteuse, sinon. Donc, j'essaye cette petite chose. Et alors là, problème de taille au niveau de mes gros bras. Au niveau de mes gros bras, j'avais vraiment un souci. Ça passait pas bien en fait, et du coup le tissu sur le devant se répartissait pas bien, j'avais des plis, c'était moche et tout. Au bout j'ai mis des bracelets de manches, parce que j'aime bien quand il y a des bracelets de manches au bout des vêtements stretch, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je trouve que c'est plus... J'aime bien la finition comme ça. Me demandez pas d'où ça me vient. Et c'est pareil pour le bas du vêtement, je le trouvais un peu court, donc j'ai rajouté pareil une bande. Et donc je couds tout et je me rends compte que c'est trop petit pour moi au niveau des manches. Donc j'ai dû tout enlever, c'était du surjet, donc je vous raconte pas comment je me suis éclatée à enlever tout ça. Et j'ai rajouté une bande noire en dessous, voilà, à ce niveau-là. Donc ça c'est pareil, ça doit être de l'espèce de Punta di Roma noire, mais que j'avais acheté, le problème c'est que je sais plus où. Je sais plus si j'avais... Je crois que c'était sur le site de Rascol. J'ai coupé une bande qui fait au moins 5 cm. Je suis trop juste de toute façon. Puis j'aime trop le tissu. Enfin, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible que je ne porte pas ce top. Donc, ma cocotte, tu enlèves et tu refais quoi. Et j'avais plus assez de tissu pour recouper une manche. Hein, je vous le dis tout de suite. J'ai utilisé tout mon tissu pour faire ça. Donc voilà. Donc j'ai rajouté une bande en dessous. Et ma foi, en se rajoutant 5 cm. D'aisance, on va dire, au niveau des bras, eh ben ça passe beaucoup mieux tout de suite. Donc je vous dirai toujours en fait, quand vous cousez un vêtement, eh ben le tissu, l'élasticité du tissu a une importance fondamentale. Et moi je pense que, en termes de morphologie, je fais partie des gens qui ont peut-être des bras un petit peu forts. Et donc du coup, dans les patrons, c'est vrai que maintenant, je commence à avoir au niveau des bras. Ça commence à m'arriver de plus en plus où je sens que je suis... Alors pas là, hein, là vraiment j'ai de la place hein, dans le sous-suite, mais je sens que je commence à être limitée au niveau des épaules et au niveau des bras. Donc je ne sais pas, je pense que je vais devoir faire des espèces de gradations ou alors faire carrément des tailles au-dessus à chaque fois. Je verrai bien. Donc voilà pour ce petit top.
Là, on attaque les coutures un peu plus importantes. J'avais commandé des au coupon de Saint-Pierre, donc il y a, oula, peut-être un ou peut-être même 2 mois. Il y a 2 mois, je pense. Ah, j'adore ce tissu. Alors eux, ils appellent ça du polyester. Voilà. Il est vraiment d'une très très belle qualité. Il a un beau tombé, c'est fluide et tout ça. Et pour être très honnête, ces 3 mètres de tissu. Vous savez que je fonctionne au coup de cœur, donc moi je vois un tissu, je l'achète et après je me dis, ah mais qu'est-ce que je vais en faire? Et je réfléchissais en me disant, ah qu'est-ce que je vais en faire? Mais il est quand même, l'imprimé est quand même très présent, c'est quand même assez bariolé, même si pour moi les couleurs sont discrètes, mais le motif est quand même vachement présent. Et j'ai réfléchissé, puis je l'ai mis dans un coin et tout ça. Et puis je voulais un modèle de robe assez simple. Et je sais pas pourquoi tout d'un coup m'est venue la lubie de faire la robe Muse Otis de Dyrendo. Alors, ce patron, il faut savoir que pour la petite histoire, je l'ai racheté à Virginie. À la base, c'est Virginie qui avait le patron, donc en format papier. Et elle a essayé de la faire et elle aime pas du tout la coupe sur elle. Donc du coup, elle me l'a revendue, ce qui m'a arrangé complètement. Donc là, je me suis dit, bon, respectons le guide des tailles et tout ça. Donc je l'ai coupé en 40. Et c'est un patron qui va de la taille 34 à 46. Je voulais la version la plus simple parce que je voulais pas rajouter quand voilà, vu mon tissu, mes tissus sont toujours souvent forts, j'aime bien avoir des modèles simples pour pas surcharger l'histoire. Donc j'ai voulu faire la version la plus simple. Il préconise 2,50 m de tissu. Bon, moi je me dis bah c'est bien, je suis large, j'ai 3 mètres de tissu, il n'y a pas de souci, ça va bien se faire quoi. Ah, j'adore les motifs parce que de toute façon, on voit rien. On ne voit pas les détails si vous êtes loupé, de toute façon, on voit rien du tout. Donc j'ai bien mon petit col, voilà, ni nanana. Comme d'habitude, vous me connaissez, feignasse de la couture comme je suis. J'avais pas de bouton noir, donc j'ai mis des pressions en métal noir, voilà. Ça va tellement plus vite à poser, j'adore. Le jupon, ah oui, puis il y a des poches, j'adore, je n'ai pas précisé, à des poches, voilà. Donc les poches, je les ai réalisées dans le même tissu puisque j'en avais largement assez. Donc je vais pour... avant de couper mes projets, je dispose toujours toutes les pièces sur mon tissu pour voir à peu près. Et c'est vrai que je respecte rarement. Vous savez, il y a toujours un plan de coupe dans les différents patrons. Je le regarde jamais. Je fais à ma source en fait. Je case toujours pour économiser le maximum de tissu. Mais au final, il me restait, sur mon coupon de 3 mètres, il me restait 1,20 m de tissu. Donc, on est loin des 2,50 m qui étaient utiles pour faire cette robe. Souvent, je trouve que dans les magazines de couture ou dans les patrons, ils exagèrent, ils voient un peu trop trop large au niveau des tissus nécessaires pour réaliser les cousettes. Bref, ceci étant dit, j'ai trouvé les explications très claires dans le petit manuel le Dyrendo. Franchement, j'ai pris mon temps, j'ai voulu faire ça bien, donc je me suis appliquée quand même. Ah, au niveau des finitions, au niveau des parementures, vous savez, pour l'intérieur ou ce niveau-là, là, j'avais pas envie de laisser ça accru, donc moi personnellement, j'ai fait un ourlet pour bien finir l'intérieur des parementures. J'ai pas rencontré de grosses difficultés pour la faire, prendre son temps à la limite, je dirais. Et puis pour les pinces, le tissu était pas difficile à coudre. Il glisse pas trop en fait, ça va. Il se tient bien. Donc j'ai pas eu trop de difficultés à le coudre. Et puis bah voilà, pour la jupe défronce tout du long. Donc ça prend un petit peu de temps. Et je sais que je suis pas la professionnelle de la répartition des fronces. Mais comme je vous dirai toujours, c'est pas très grave puisque on ne voit rien du tout. Donc c'est parfait. Les seules modifications que j'ai apportées, donc c'est comme je vous expliquais, donc l'histoire du rentré que j'ai fait au niveau de la parementure intérieure pour que ce soit plus propre. Et moi personnellement, j'ai thermocollé les deux cols en fait, le col intérieur et le col extérieur parce que je voulais vraiment que ça ait de la tenue. Et j'ai pas respecté les marges de 1,5. J'ai fait des marges de 1 cm. Et il y a quand même pas mal d'embûches au niveau de la tête de manche à résorber, donc ça c'est un petit peu chiant. Et cette robe est hyper agréable à porter, franchement j'adore. Donc il n'est pas impossible que je refasse un jour la Muse Otis de Dyrendo, mais je ferai peut-être la version, je sais pas, avec les volants, pour changer un petit peu. Après là, franchement, c'est le motif qui fait tout, hein.
Vu qu'il me restait 1,20 m de ce coupon, j'avais envie de tester plutôt un pantalon qui se trouve dans ce Fibermood numéro 7. Je voulais tenter ce pantalon. Donc le pantalon Benita. Donc eux, ils montrent plusieurs versions. Ils vous disent que vous pouvez le faire, voilà, plus ou moins long, avec une ceinture à la taille ou juste élastiqué. Enfin bon, bref, dans différents tissus, voilà, machin, bidule. Donc pareil, j'ai respecté le guide détail parce que Fibromood, je sais qu'il taille au plus juste, on va dire ça comme ça. J'ai fait une taille 40. Donc c'est un pantalon tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Franchement, vous avez deux devant, deux dos et c'est tout. Une ceinture à la taille où vous passez un élastique dedans et c'est terminé. Donc ça va très très vite à faire, il n'y a même pas de poche. Mais au final, en fait, je m'attendais pas à cette coupe. Donc je sais pas si j'aurais pas dû faire quand même une taille au-dessus. Oui, encore, encore, encore. Je me suis même pas embêtée, hein. Je me suis pas foulée. Il est assemblé à la surjeteuse. Il conseille de prendre un élastique à la taille de 5 cm. Je n'avais pas. Le plus grand que j'avais, c'est un élastique de 3 cm. Donc je me retrouve un peu comme le pantalon Bure d'Izzy que je vous ai montré le mois dernier, avec du tissu en plus, quoi. Rapide, facile à coudre, hyper confortable à porter. La taille, elle est pas hyper haute. Je trouve qu'elle est quand même assez basse. J'aime bien quand ça monte un peu plus haut au niveau de la taille. Voilà, j'ai voulu essayer. J'avais assez de tissu. Donc là, j'ai utilisé tout mon coupon de 3 mètres, hein. Donc dans mon coupon de 3 mètres, j'ai quand même pu faire une robe plus un pantalon large et long. Donc franchement, je suis ravie. Si, je pense que je pourrais le porter pour l'été ou même pour, j'allais dire pour traîner à la maison. Je verrai bien. Mais je suis capable de le porter pour l'extérieur, hein. Ça me pose pas de problème. Avec un petit t-shirt noir, une petite veste en jean, avec. Vous savez, les accessoires, ça fait beaucoup aussi, hein, pour pouvoir porter quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur. Les accessoires, c'est la vie. Scrollé sur Instagram et j'ai vu la version de Mélanie. Mélanie, la gagnante de Coups Humains numéro 3, je crois. Qui a fait une Sirocco. J'avais dans mon stock une Scuba de chez Benitex que j'avais achetée quand j'avais fait ma virée Benitex avec Virginie de l'Atelier de Vie. Donc voilà, je vous montre, il m'en reste, hein, c'est pour ça. Oh, je pense qu'il m'en reste quoi? Il m'en reste un petit mètre. Donc des fleurs comme toujours sur fond noir. L'envers est blanc, bref. Et vous voyez tout de suite, je le savais. Je savais que j'avais pas l'élasticité nécessaire. Donc quand j'ai vu Mélanie avec sa combinaison Sirocco, je me suis dit, ah mais j'ai trop envie de me faire une combinaison Sirocco dans ce tissu. Bim bam boum, le PDF, parce que période de confinement, enfin bon bref. Mon meilleur investissement ce mois-ci, c'était d'acheter une imprimante. L'imprimante ne coûtait pas cher, je comprends mieux pourquoi. Ce qui coûte cher, les imprimantes, c'est l'encre. L'encre, ça coûte une blinde. Ils vous disent bien qu'il faut un minimum de 30 à 40% d'élasticité sur votre tissu. Avec une règle, par exemple, de votre tissu, vous pincez, vous tirez et vous voyez jusqu'à combien de centimètres ça arrive. Et donc, normalement, en tirant les 10 centimètres, vous devez arriver à 13 ou 14. J'arrivais à 11, 12 grand max, mais j'arrivais pas au 13 ni au 14. Donc je savais déjà que là, en termes d'élasticité, j'étais pas bonne. Je me dis, ouais, bon. Pareil, je regarde le guide détail. Quand je regarde la taille 40, il faut un tour de taille de 72 cm. Moi, je suis plus que ça. Hein. Tout. Je coupe quand même une taille 40. Erreur numéro 1. Ah non, mais pourquoi je me suis dit ça? Je me suis dit, oui, mais c'est pas grave parce que les marges de couture chez Direndo, c'est 1,5. Et moi, je vais coudre à 1 cm, même moins, parce que je vais assembler ça à la surjeteuse, donc ça rattrapera la différence de taille. Admettons d'avoir cette logique en se disant, oui, ça peut marcher avec un tissu qui a la bonne élasticité. Mais là, tu ne les as pas. Donc, je me doutais fortement que j'allais devoir rajouter un zip sur le côté pour pouvoir porter cette combinaison Sirocco. L'idée. Alors là, je vous raconte pas la galère. Pareil, je me suis rassurée en me disant, alors écoute, j'ai pas l'élasticité nécessaire, mais au niveau des points stratégiques, je vais prendre un tissu qui a l'élasticité nécessaire. Donc, au niveau de la taille et au niveau de l'encolure, j'ai voulu trancher avec un autre tissu. Donc, le tissu que j'ai utilisé pour rattraper là sous mes manches, cette espèce de punta di Roma noir là, bon, je sais pas trop ce que c'est comme matière,
Je l'ai étendue et elle a les 30 à 40% d'élasticité nécessaire. Donc voilà ma sirocco. Voilà, donc ça c'est la... donc le mélange des deux, l'encolure, la taille. Donc vous avez des poches à ce niveau-là. Et les jambes. J'assemble le tout. Et vous savez, moi c'est toujours pareil, à chaque étape j'essaye. Bon, ben, je savais que je ne rentrerais pas dedans. Évidemment, à aucun moment je rentre là-dedans. C'est-à-dire qu'au niveau des cuisses, déjà ça bloquait. Et donc je rigole toute seule et je me dis, bah c'est tout, je vais découdre tout un côté. Je vais prendre l'un des zips les plus longs que je possède. Donc là, c'est un zip qui fait 30 cm. Et je vais le poser sur le côté. Mais alors, la galère. La galère parce qu'en fait, les marges que j'avais prévues étaient trop courtes en fait pour poser un zip. Enfin, je ne me voyais pas poser un zip invisible là, c'était pas possible. Donc c'est un zip que j'ai posé à l'arrache. Il est pas bien posé, je sais même pas s'il va tenir dans le temps, ça gondole un peu de partout. Mais c'est pas grave, puisque grâce à ce zip, je rentre dans ma combinaison sirocco. Bon, je me suis énervée contre moi-même, je m'en suis un peu voulu quand même. Je me suis dit, ouais, t'abuses Emma et tout, tu le savais que ça allait être galère. J'aurais pu être plus intelligente et prévoir dès le départ la pose du zip. Et donc j'aurais eu une meilleure finition, j'aurais pu mieux faire. Mais bon, écoute, c'est comme ça, au final, je rentre tout juste 2 ans. Donc, la modification que j'ai apportée, c'est la pose du zip. Et l'autre modification que j'ai apportée, mais alors après, c'est pareil, vu que j'ai pas respecté les marges de 1,5, mais que j'ai tout assemblé à la surjeteuse, donc à la surjeteuse, c'est quoi? C'est 0,7, je crois. Les jambes, au niveau des mollets, je trouvais que c'était vraiment trop large. Donc, j'ai vraiment... bon, j'ai fait ça à l'arrache, hein. J'ai repris avec la surjeteuse. Et j'ai rogné pour que au niveau des mollets, ce soit un peu plus... Au niveau des mollets, au niveau de la cheville, j'ai rogné pour que ce soit un peu plus serré. Il me faudrait que je retrouve du tissu qui a la bonne élasticité. Donc, 30 à 40%. Et même, j'aimerais trouver un tissu qui ait 40% d'élasticité. Et j'aimerais refaire une sirocco. Parce que j'avoue qu'elle est hyper agréable à porter. Quand on ne sait pas comment s'habiller, enfin franchement c'est nickel. Après voilà, je me dis c'est quand même dommage parce que c'est un modèle qui est quand même fait pour être hyper confortable. Je pense que dans le bon tissu, en 40, je devrais rentrer. Parce que toujours pareil, je ne respecte pas cette histoire de marge de 1,5 cm vu que j'assemble tout à la surjeteuse. Je sais pas si je ferai la version short, mais j'aimerais bien me refaire la version là. Mais avec du noir et peut-être un haut, ouais, un haut et peut-être même sans les manches. Enfin, je verrai bien. J'aimerais bien m'en refaire une parce que j'avoue qu'elle est confortable et au début, je comprenais pas trop l'engouement pour la sirocco. Je vais vous dire la vérité. Quand c'est sorti l'année dernière, j'ai fait une overdose. Hein. Je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que quand il y a trop de modèles d'un patron qui sort, que tout le monde fait, ça me saoule en fait parce que je me dis, bah, il n'y a plus d'originalité. Et donc, j'attends toujours que la vague passe. Et donc là, la vague étant passée pour sirocco, j'avoue qu'on est quand même pas mal dedans. Moi, je l'aime bien. Donc, à voir, à réfléchir pour la suite. La dernière cousette, et non des moindres, c'est la robe Jessica de Mimi G Style. Si vous ne connaissez pas Mimi G Style, mes enfants, là j'ai envie de vous dire, arrêtez-vous tout de suite. Je vous mettrai bien évidemment le lien de sa chaîne YouTube en barre d'informations. Je vous conseille de la suivre sur Instagram. Mimi G Style, c'est une américaine. Et les américaines, elles ont un style, mais j'adore. J'aime beaucoup le... Je me reconnais plus des fois dans le style américain que dans le style français, voilà. C'est beaucoup plus audacieux, il y a beaucoup d'imprimés, beaucoup de couleurs. C'est une femme qui a des formes, elle est pulpeuse, mais elle est magnifique. Je trouve qu'elle est magnifique, cette femme. Elle est petite aussi, elle est toujours perchée sur des talons de 10 cm. Elle met des robes hyper moulantes et ça lui va trop bien.
Elle met des imprimés, elle met de la couleur. J'adore son style. Enfin bon, bref, là, je commence à m'emballer. Calmez-moi, calmez-moi, je me calme. Et en fait, elle a sorti plusieurs modèles, plusieurs patrons en PDF sur son site. Et il y avait une promo. C'est Virginie de l'Atelier de Vie qui me l'a dit. Où les patrons, ses patrons étaient tous à 3$. Je me suis promenée sur le site et j'ai pris plusieurs patrons, notamment la Jessica. Et elle a fait une version en plus, le modèle de présentation, c'est dans du wax. Et moi, dans ma tête, à la base, j'ai acheté cette robe pour la faire dans du wax. Mais, au vu de mes déboires passés, je me suis dit, calmons-nous, on va peut-être faire une espèce de toile, enfin j'en sais rien. Je sais plus comment c'est venu. Non, en fait, c'est Virginie d'Atelier de Vie. Elle l'a fait récemment dans un lin viscose bariolé. Et la version qu'elle avait faite avant, c'était dans une gabardine kaki unie. Et j'avais, dans ma dernière commande, c'est ce fun, toujours. Vous voyez, je couds mes tissus, vous pouvez pas m'accuser, là. J'avais commandé une gabardine verte aussi. Pas vert kaki, mais vert. À la base, cette gabardine, je voulais en faire un pantalon, un ginger jean, mais quand je l'ai reçue, au niveau de l'élasticité, je sais pas, je le sentais pas. Puis au final, je me dis, j'aurais peut-être dû en faire. Enfin, je sais pas. Je suis encore indécise sur cette gabardine. Enfin bon, bref. Donc, j'achète le patron. J'assemble le PDF. Alors, je sais pas vous, je vous ai pas précisé, mais pour la Sirocco, ça a été le même bordel. Moi, mes PDF, à un moment donné, c'est la merde. À un moment donné, j'ai des décalages. Je comprends pas. Ça me saoule. Sur les petites pièces, ça va. Mais alors, du moment où c'est une grosse pièce à assembler, j'ai toujours un décalage. Et donc, au final, je bidouille, je recrase des lignes pour être sûre que ça tombe à peu près bien. Et la Jessica, à un moment donné, je sais pas, les lignes se croisaient, j'y étais plus. Bon, le modèle est assez simple, hein, vous pouvez le voir. Donc, vous avez un corset pour le bustier. Et puis, le bas de la robe, c'est juste trois pans que vous froncez avec une boutonnière au milieu, et j'ai pas mis les poches parce que je trouvais que ça rajoutait trop de volume et que c'était pas très esthétique. Je me dis, la prochaine en wax, je pense que je mettrai des poches, je récupérerai les poches de la Muse Otis et je ferai des poches cachées en fait à l'intérieur. Sorti comme ça, c'est pas heureux. Si vous vous posez la question, on peut acheter sur des sites en dollars, ça pose pas de problème, la conversion se fait automatiquement en euros. Et en plus, on est gagnant, puisque 3$, ça correspond à moins de 2€. Mais j'en ai acheté plusieurs, donc je sais plus exactement combien ça coûte. Bon, bref. Les explications sont en anglais. Ah oui, je vous ai pas précisé. Mimi Gesta, elle fait que en anglais. Hein. Donc, les explications sont en anglais, mais vous avez des dessins techniques. Et si vous avez déjà monté des vêtements, vous avez pas vraiment besoin du livre explicatif. Hein. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm, mais pareil, vu mon tissu, j'ai fait ça parce que c'était de la gabardine et qu'elle était stretch, j'ai assemblé à la surjeteuse, mais ma version en wax, je l'assemblerai à la machine à coudre et je respecterai les valeurs de tissu, les valeurs de couture de 1 cm. Les modifications que j'ai apportées, c'est comme Virginie, j'avais pas envie de faire des fronces sur un tissu stretch parce que je savais que ça allait être la galère. Avec le recul, je me dis j'aurais pu poser aussi un élastique, mais c'est quand même un tissu qui est épais et qui est lourd. Je voulais pas que ça rajoute et que ça épaississe trop au niveau de la taille. Donc j'ai fait un espèce de jeu de plis. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ma version de la Jessica. Ici, vous avez des espèces de petites lanières. Normalement, vous les cousez dans le même tissu, mais ça m'a gavé, ça m'a saoulé. J'ai voulu faire un premier boudin, impossible à retourner. J'ai dit alors là, j'abandonne, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc j'ai pris du biais noir que j'ai cousu en fait. Moi vous verrez rien parce que on va pas assez noir sur noir. Bref, j'ai cousu du biais noir. Là vous avez les poils de chien sont toujours offerts par la maison évidemment. Donc vous avez le buste. Toujours. En fait à la base c'est pas des boutons comme ça que je voulais mettre. J'aurais voulu mettre des boutons en bois mais je n'en ai absolument pas dans mon stock. Donc je me suis dit ah les bretelles sont noires. J'ai mis des petites pressions en métal, toujours pareil de chez AliExpress. Alors là, j'en ai mis une flopée. Hein. Normalement, vous avez trois boutons sur le buste. Et puis après, vous en avez plusieurs qui vont tout en bas. Moi, j'ai pas fait comme ça, vu que mes boutons étaient petits, pour être sûre que ça ne s'ouvre pas. J'en ai mis 7 en haut. Et en bas, je les ai espacés un peu plus. Et j'en ai mis que 5. J'en ai pas mis jusqu'en bas, parce que la longueur est midi. Hein. Elle est longue. Hein. Et je voulais garder un côté... Je sais pas si sexy c'est le mot, mais un côté un peu féminin.
Donc, ça m'arrive au-dessus du genou, je crois, le dernier bouton, et après, je laisse ouvert pour que quand je marche, ce soit un peu plus féminin, on va dire, un peu plus joli. Le dos est comme ça. Donc, vous avez trois pièces pour le dos. Oh là, ça m'énerve parce que j'ai des poils de chien partout. Et quatre pièces pour le devant. J'ai fait comme Virginie, j'ai bidouillé à l'arrache complet pour faire des plis, en fait. Et que ça tombe... sur les coutures du haut, voilà. J'ai fait un jeu de plis un peu partout. Donc au final, cette petite robe. Alors je sais pas si c'est un peu grand parce que le modèle taille grand. Je sais pas parce que si c'est pas un peu grand parce qu'au final, vu que j'ai pas respecté les 1 cm de marge et que vous avez pas mal de coutures, bah ça plus ça, ça rajoute. Et je sais pas si c'est pas un peu grand parce que c'est pas le bon tissu et qu'il est stretch. Et du coup, bah ça plaque moins bien qu'un coton avec une... Là, la wax est tellement rigide. Que, à mon avis, ça tombera pas pareil, je le sens. Cette robe, Jessica, au final, je trouve qu'elle me tombe pas hyper bien parce qu'au niveau du buste, je vous ai dit, c'est un peu lâche. Au niveau de la taille, voilà, je sais pas. Mais, par le tissu, elle est hyper confortable à porter. Et pareil, je vais vous montrer, en fait, ce que j'apporte comme modification en termes d'accessoires avec cette robe. Avec une grosse ceinture noire, une petite veste, franchement, des petites baskets blanches. Voilà, avec des gros bijoux, je pense que ça passera tout à fait. Tous les vêtements que je vous ai montrés, hormis le short manège, je sais pas trop, c'est des vêtements que je vais porter. Donc ma Jessica, même si elle est pas... Ah, je vous ai pas dit en quelle taille je l'ai fait. Pardon, excusez-moi, je crois que je vous ai pas précisé la taille. Je l'ai fait en taille M. En respectant le guide des tailles, hein. Voilà, j'en ai fini avec mes cousettes que j'ai réalisées dans ce mois d'avril. J'ai beaucoup d'autres projets, la liste est vraiment longue. Je n'oublie pas que j'ai quand même le Francesca de Wear Lemonade dans mon tissu à pois de chez Dressensofen. Je regarde par là parce que tout est posé là-bas en vrac, là. J'aimerais aussi me faire le chemisier Donna de LMV puisque c'était l'un des patrons qui était gratuit. Oui, alors LMV, toutes les semaines, ils offrent un patron en PDF gratuit et Fibre Mood aussi. Et aussi, j'aimerais attaquer le wax. Mais le wax, en fait, j'attends toujours un petit peu d'être dans la saison chaude, on va dire. Sachant qu'en plus, là, au mois de mai, donc je vais recommencer le boulot de manière intensive. Là, les affaires vont reprendre sérieusement, donc ça va être un petit peu galère. Mais fin mai, début juin. J'ai mes vacances d'été, entre guillemets, je les prends toujours en décalé. Bon, bref, peu importe. Et là, je sais que je vais attaquer certainement, très certainement, le wax parce que j'ai quand même beaucoup de tissu wax que j'ai envie de coudre et j'ai envie de faire des choses complètement folles. Donc voilà, vous verrez bien un petit peu comment j'arrive à faire tout ça, à agrémenter tout ça. Comme toujours, je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements. On est vraiment de plus en plus... Enfin, on... oui, on... Vous êtes de plus en plus nombreux, je pense surtout nombreuses, à me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir si, voilà, vous vous reconnaissez dans mon style, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez que je propose des choses peut-être un peu moins classiques, un peu différentes. Sachez que ça me touche énormément dans vos commentaires quand vous me dites que grâce à moi, vous vous êtes lancé dans les imprimés, dans les fleurs, dans la couleur, et c'est peut-être des choses que vous n'osiez pas avant. Ça me fait extrêmement plaisir de me dire que j'arrive à grandir le cercle des personnes qui ont la passion de l'imprimé. Je sais que c'est pas toujours évident pour vous d'assumer des... Comment on va dire ça? C'est pas des styles forts, mais effectivement, quand on porte des couleurs, quand on porte de l'imprimé, on attire peut-être plus le regard et on va attirer peut-être plus facilement la critique que si on est habillé dans des couleurs plus classiques, voilà. Vraiment, j'ai envie de vous dire une chose, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de porter quelque chose, peu importe le style en fait,
peu importe ce que c'est, peu importe, donc, ou même du maquillage, enfin peu importe, faites-le. Ne vous occupez pas de la vie des autres personnes, en fait on s'en fout. Du moment où vous ça vous plaît et vous ça vous fait plaisir, ne prenez pas en compte la vie des autres personnes, même, comme je l'ai dit dans un live, même la vie de Christina Cordula, en fait on s'en tape. On s'en tape. C'est oui, alors elle a été mannequin, maintenant elle est styliste, alors on peut se dire qu'elle a quand même une expérience et que son avis, c'est... Non, en fait, on s'en fout. Oui, c'est elle a un avis, mais c'est son avis. Ça n'engage qu'elle. Il n'y a pas une grande loi, vous voyez ? Un truc placardé qui dit, ouais, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Si vous, vous avez envie de le faire, écoutez, faites-le. Et la vie des gens, en fait, on s'en cogne complètement, quoi. Moi, je m'en fous, on s'en fout, quoi. Le plus important, c'est que vous soyez bien dans votre peau, que vous soyez bien dans vos vêtements. Que vous, le matin, ça vous donne la pêche, que vous, le matin, ça vous motive, eh ben faites-le. Et après, la vie des autres. On peut pas plaire à tout le monde, on plaira jamais, voilà, à tout le monde, pas possible. Il y aura toujours des gens pour critiquer ce que vous faites, comment vous êtes habillé, comment vous êtes coiffé, gna 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 gna. Voilà. À un moment donné, on vit pour soi et pas pour les autres. Je finirai donc cette petite vidéo là-dessus. Allez, je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous faites. Je vous dis à très vite sur Instagram ou sur YouTube. Je vous embrasse très fort. Allez, tchuss.